Salut à tous les abonnés! Nouvelle vidéo. Donc, pas vidéo mécanique. Donc, attendez, je coupe la baladeuse. Parce que trop de lumière tue la lumière. Voilà, ça est déjà mieux. Donc, comme je disais, c'est pas une vidéo mécanique. Hein. Donc, je vous annonce que je vais faire un live le 18 avril. Donc, c'est une vidéo annonce de live. Donc je tiens sur les 79 abonnés actuels à venir sur le live. Vous n'êtes pas obligé, mais bon, si vous voulez, comme ça je vous le mets. Je vous le dis tout de suite, il y aura un live de prévu le 18 avril. Alors c'est un live un petit peu spécial, on va dire. Ça sera les 1 an en fait de la chaîne. Donc ça sera l'occasion de faire le point sur les prochains projets, futurs projets, l'avancement de la chaîne. Donc voilà. Là comme vous pouvez voir, là on est dans mon local de stockage, hein. Derrière il y a la V89, je vais vous montrer ça plus en détail. Donc voilà où je stocke tous mes outils. Là il y a ma servante, il y a mon poêle à pétrole, de côté j'ai ma... derrière j'ai ma caisse à outils, mes criques, mon bidon d'essence, le bidon de clamp pour le pétrole, le compresse-poil et ma jolie AV89 qui est en hivernage depuis plusieurs mois, ou que je m'étais pas rappelé d'ailleurs, c'est que les cylindres blocs ils étaient pétés. Donc ça c'est merci la mobilette.net avec leur pièce de merde, comme quoi que les cylindres blocs moteurs ça suffisait pas. Donc projet sur cette machine là, les deux cylindres blocs. Rectifier, on va refaire le moteur. Donc je change la culasse, je mets la culasse en 45 parce que là j'ai un kit 65 en dessous, j'ai une fuite au niveau de la culasse parce que j'avais le joint de culasse qui avait pété, joint que j'ai retrouvé tout à l'heure. Il y aura cette pièce là qui sera, que je ferai rebraser par un professionnel parce qu'elle est en train de péter et c'est introuvable. Donc on va refaire le moteur, les deux cils en bloc. Donc voilà, là il y a mon autre servante, ma servante à produit si on peut dire. Donc voilà, j'ai pas grand, hein. Franchement je dois avoir peut-être 2 mètres de large sur 3 mètres de long, on a du mal à voir la vidéo, mais franchement j'ai vraiment pas grand, je peux pas bricoler là-dedans. Donc bah voilà, hein. Donc ça sera un projet déjà que je détaille comme ça, mais je reparlerai plus. Pendant le live, je vous expliquerai où est-ce que je l'ai acheté, depuis combien de temps que je l'ai, combien que je l'ai payé, tout ça. Donc voilà, le DT, et il m'arrive une couille avec la DT. Ça j'en parlerai pareil, j'en parlerai pendant le live, à moins que ça soit réparé d'ici là, mais c'est pas sûr. On aura, voilà, je vous expliquerai tout pendant le live. Là à la base c'est juste une vidéo annonce de live. Donc écoutez, vous pouvez venir me revoir sur la chaîne YouTube Scooter un mec à boîte. Puis la formule habituelle, hein, likez, abonnez-vous, partagez. Voilà, à plus.